des jeunes, je vais penser à plusieurs défis que je vous lancerai chaque semaine, tous les mercredis. N'hésitez pas à chaque fois à faire l'échauffement des plus jeunes avant de commencer le défi. Et à chaque fois, vous aurez du coup une semaine, 7 jours pour vous entraîner et essayer de battre votre propre record à ce défi. Aujourd'hui, je vais vous demander d'essayer de réussir un maximum de traction en une minute. Vous aurez le droit d'utiliser les pieds, il faudra avoir le dos bien droit, être en planche. Donc bras tendus au niveau de la glène, je vous montrerai ça en vidéo et je vous donnerai des petites astuces pour le faire à d'autres endroits. Les tractions avec les pieds, vous pouvez les faire sur une table. Sur une barre de traction, vos parents ou quelqu'un peut vous aider à vous tracter en soulageant un peu du poids, en vous tenant par le bassin et en vous soulevant un petit peu. Mais dans l'idée, il faut que ce soit les bras qui travaillent à un maximum. Attention à éviter de trop pousser sur les jambes ou d'être trop soulagé de son poids. Et le deuxième défi d'aujourd'hui, ça va être d'essayer d'être suspendu, donc de tenir sans les pieds le plus longtemps possible. Pour la suspension, c'est très simple, vous devez vous accrocher quelque part sur l'extrémité d'une table ou d'un bar. Assurez-vous cependant de la solidité de la grès et de la stabilité de ce dernier. Donc quelqu'un doit potentiellement tenir la table si vous le faites dessus. Pour la suspension, pas de pied au sol, donc n'hésitez pas à vous grouper si jamais la grès est un peu bas. Et puis, tirez un petit peu sur les bras, il faut que les épaules soient engagées. Il ne faut pas que vous soyez complètement détendu sur vos mains. Bon, je vous laisse sur ça. J'ai hâte de voir tous vos résultats. N'hésitez pas à nous envoyer par vidéo, par photo, les résultats de vos défis. Et puis, on se tient au courant et on se voit la semaine prochaine pour de nouveaux défis. Allez, salut !